Et on a tous une raison d'être devenu ce qu'on est devenu. C'est ça qu'on oublie aussi quand on parle à quelqu'un. Tu vois, on a souvent ce côté où ouais, il m'énerve, je veux ceci, je veux cela. Non, il est devenu ce qu'il est devenu par rapport au parcours que la vie lui a imposé même avant de naître en vrai. Il pleut, c'est horrible. Je suis là déjà, je suis en retard en cours. Ils vont tous me trucider là. Il faut que je fasse pipi. Il n'y a rien qui va. Il n'y a vraiment rien qui va aujourd'hui. C'est vraiment pas ma journée. Hier, j'ai passé une grave une bonne journée. Tout était cool, tout était bien. Là, il y a tout qui a chier. Putain, t'as construit un truc, t'as construit une histoire, tu vois. Et ça m'a l'air de ouf. J'ai toujours cru que j'avais une dualité entre qui j'étais et qui je montrais sur les réseaux. Que Maëlle et Caliroé, en fait, c'était deux personnes très différentes, voire même opposées. Alors qu'en fait, au final, l'une complète l'autre et l'une et l'autre. Et que le pire, en fait, dans ce schéma-là, c'est qu'il y en a une troisième dans l'échiquier. Mais je me retrouve dans toutes les gares du monde à cause de mes problèmes de train ou problèmes de réveil. J'en peux plus, j'en ai ras-le-bol. J'ai réussi à arriver à Paris, maintenant faut que j'arrive dans mon école. Je suis en train de me dépêcher, pas parce que je veux pas être en retard à l'école, mais parce que je me suis fixé comme objectif face à moi-même d'arriver à l'heure. Pourquoi je suis tarée comme ça? J'ai besoin de caféine et ma prof m'a dit c'est bon, on va chercher un café. Je vous jure déjà, je la trouvais trop mignonne, elle est trop gentille. Et je crois que ça passe pas avec le téléphone, donc à tout moment je dois remonter pour aller chercher ma carte. Du coup j'avais bien raison, j'ai dû remonter pour aller chercher ma carte. Et du coup là faut que je refasse ma commande. J'aime bien ce bruit. Je pense que Maëlle c'est celle qu'on a construite, celle qui était douée à l'école, qui a grandi entourée de maman et mamie, qui a reçu une bonne éducation, qui a appris ce qu'était l'amour, le respect, la vie en général, en fait. Et c'est finalement celle qu'on veut que je sois. Je suis convaincu d'une chose, le talent, ça n'existe pas. Le talent, c'est avoir l'envie de faire quelque chose. Je crois qu'il y a des gens qui travaillent à quelque chose, et qui travaillent avec une grande énergie, finalement. Et l'accident de la nature, je n'y crois pas. Du coup, là, il est plus de 18h et j'ai rien foutu de ma journée. Genre, littéralement, j'ai regardé au moins 4-5 épisodes de Lucifer. D'ailleurs, il faudrait qu'on débatte là-dessus parce que je vous jure, je suis vraiment pas d'accord avec tout ce qui se passe. J'aimerais trop créer un truc. Des gens, genre des potes à moi ou des gens que je côtoie vite fait ou... Enfin, des gens qui sont dans des milieux intéressant qu'on connaît peu et faire des espèces de mini interviews, une espèce de petite interview genre de 10 minutes, ça peut faire le taf, genre ça peut être un truc qui va être lourd de ouf. Là je suis en train de me dire que ça veut dire que je vais être non-stop en montage, j'avais pas pensé avant. Cette petite voix dans ma tête qui disait tout le temps profite d'aujourd'hui, tu auras peu de lendemain. Outfit du jour, très mignon. Ça part sur on va faire les boutiques avec ma maman. Franchement, non, j'aime bien. Pourquoi il a mis le flash studio? Voilà. Je veux trop de lampes bulldog. Vous voyez pourquoi Action c'est dangereux, c'est que je suis capable d'acheter ça pour me dire vas-y le jour où je veux me recouper les cheveux. Sauf que le problème c'est que si je fais ça, eh bien je vais me recouper les cheveux demain. Là il y a un gel fixation 12, titane, tu m'étonnes, j'ai moi fixation 8, j'ai l'impression que mes cheveux ils vont tomber. J'ai fait cette colo là à un moment donné. Ensuite c'est mai que j'ai découvert. C'était un peu, et c'est toujours le moi intérieur. C'est la petite fille qui croit en la bonté de l'être humain, qui a envie de croire au Père Noël. Celle qui n'a pas d'ego en fait finalement. Mais c'est une enfant. Elle a peur de l'orage et du silence. Celle qui pleure pour rien, celle qui ressent tout fois mille. Mais c'est aussi celle qui a le plus de cicatrices en fait. Ma
un livre sur Peter Pan, genre. Est-ce que ça passe? Non, ça passe. Mais en fait, c'est l'histoire de Peter Pan avec des aquarelles. Non, c'est aquarelle. Non, c'est des photos du film. Oh, c'est incroyable. Oh, c'est de la gouache, j'avais raison. Par pitié, Peter Pan, c'est vraiment genre mon Disney préféré. J'étais amoureuse de lui quand j'étais petite, mais ça, faut pas le dire. Oh, je suis trop fan. Du coup, faudrait que je vous montre un peu toutes les conneries que j'ai achetées. Après, c'est des trucs, c'est pas très très intéressant en soi. Genre, j'ai acheté des conneries en mode j'avais besoin d'un câble. J'ai acheté des masques pour le visage, enfin rien de ouf. Mais sinon, du coup, j'ai acheté deux livres. J'ai acheté déjà préquels du labyrinthe. J'ai jamais acheté parce que les préquels, ils coûtent 8,30€, je crois, et un poche, c'est en moyenne 7 balles. Et en fait, bah, quand j'étais petite, vu que j'avais pas beaucoup de, genre, j'avais pas beaucoup de sous, bah, ça me faisait plus chier. Du coup, là, vu que c'est le pass culture, j'ai dit, Maëlle, cette fois, tu l'achètes, parce que ça fait plus de 5 ans que t'as lu la saga. Et tu connais toujours pas la suite. Et enfin, j'ai trouvé cette pépite. Et j'ai trouvé le livre d'Anna Wintour. Je sais pas comment j'ai fait, parce que honnêtement, à chaque fois que je voulais l'acheter, je suis allée dans toutes les librairies possibles et inimaginables. Je l'ai pas trouvé, même sur Paris, je le trouvais pas. Donc je suis contente de l'avoir trouvé. Et du coup, là, je vais me poser un peu et je vais lire un petit peu. Je vais me mettre à lire le livre sur Anna Wintour. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse un peu des avis lecture au milieu de mes espèces de vlogs. Parce que moi, je sais que j'aime bien avoir l'avis des gens sur certains livres et dites-moi si ça vous intéresse. Et enfin, on a Caléroé. C'est celle que j'ai créée avec le temps et celle qu'on voit le plus. Elle a pris le pas sur mes mails. Elle aime pas être faible et vulnérable. Elle protège les deux autres des blessures. Elle a peur de rien, elle croit en elle. Elle veut briller plus fort que la tour Eiffel à minuit. C'est celle qu'on veut aimer. Celle qui marche en talons de 10 cm une journée entière. C'est celle que vous rencontrez au quotidien. Là, j'ai trop les nerfs parce que je voulais aller m'acheter un café. Sauf que ma femme lave les machines à café, elles sont en panne. Du coup, ça me saoule. J'ai pas de liquide et je vais pas les retirer des sous pour 50 centimes. Donc, je crois qu'il n'y aura pas de caféine cet après-midi. Sauf que là, on est vendredi après-midi. Je suis épuisée. J'ai besoin de caféine. Ne sois pas sûr de toi comme ça, petit, même si t'es le meilleur. N'attire jamais l'attention sur toi. C'est une erreur, mon ami. Il faut que tu apprennes à te faire humble. Le mec inoffensif. Personne ne regarde. Tu sais, le connard, le lépreux, le pecno un peu demeuré, regarde-moi. Je suis sous-estimé depuis le premier jour. T'as l'impression d'être devant le maître de l'univers, toi, quand tu me vois? J'arrive en discret, vite fait, en retard à ton concert et qui sait. J'suis peut-être le prochain que ça concerne les petits smets. Shit herbe dans les poches et vendent des 10 mecs. Prière pour leur mère et pour les proches. Elle filme tout le temps, j'ai l'impression d'être une vraie star. Et m'a fait pour l'or, c'est ça le thème. À nous.